Salut, c'est Warik de Wakadan Gaming, bienvenue à vous sur Dune Spice Wars. Alors ça fait un petit moment qu'il y a une nouvelle maison qui est sortie, la maison Corino de l'empereur Padashan 4, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de faire quoi que ce soit dessus. Donc là je l'ai testé quand même en off pour me rendre compte, pour essayer d'appréhender un petit peu les changements qu'il y a eu entre temps aussi. Et cette maison pour savoir comment m'orienter et pas forcément faire que de la découverte avec vous. Donc on va partir, alors pas en multijoueur, on va partir en escarmouche. Alors là, pour changer, je suis donc toujours en Early Access, version 0.3.16. On passe sur une escarmouche. Donc, vous voyez, donc là maintenant on voit les 5 maisons actuellement disponibles. On va partir sur la maison Corino. Donc un gain d'hégémonie en payant la taxe de la guilde. Ok, donc ça c'est ce que j'ai fait. J'ai eu une victoire en hégémonie. Permet d'utiliser des décrets impériaux sur la résolution du Landstrad pour modifier leur portée. Donc, effectivement au niveau des chartes, des règles, une politique qui tombe régulièrement, on a moyen de changer quelque chose dessus. L'action diplomatique mandat impérial remplace le tribut et est disponible dès le départ. Un emplacement de bâtiment gratuit dans les villages. Coût en autorité de l'annexion des villages. Distance de la base principale. Plus 100%. Le fait de s'étendre, c'est plus compliqué avec cette maison. On le retrouve ici, les différents niveaux au niveau d'hégémonie. Les conseillers, donc on en a toujours 4. Rapidement, industrie centralisée, permet de construire certains bâtiments d'économie 2 fois. Donc j'aime beaucoup prendre ça, puis je le sens difficile, j'estime qu'il faut que j'essaye ça. Et augmente de 20% le coût d'entretien en solari des bâtiments. Donc ça me permet d'en faire 2, mais ça me coûte plus cher. Hiérarchie expérimentale, réduit le coût des unités d'infanterie de 30% et leurs statistiques de combat de 30%. Alors, si ça coûte moins cher, mais elles sont moins fortes. A priori, de ce que je comprends, octroie un emplacement de formation supplémentaire. Donc, on pourrait avoir plus d'unités. C'est pas celui-ci que je prenais. Suprématie politique permet l'annulation de négatives en dépensant des solaris. Ça peut être intéressant. Voilà, un truc négatif qui nous tombe dessus, on paye des solaris. Omniscience permet de résoudre des découvertes n'importe où avec des agents. Production de renseignements moins 100% pour les agents ennemis affectés à la maison Corino. Donc voilà, donc ceux qui veulent nous espionner, ils produisent moins de renseignements. Donc ça c'est sûr. Ouais, c'est celui-ci, tiens, pour changer. Ici, donc, je garde tout. Je n'essaye pas d'en éliminer. C'est vrai qu'on pourrait rester sur des. Comment on fait que nous n'en regardons que la domination. À moins que j'enlève l'hégémonie. En fait, c'est celle-ci que j'aurais voulu faire. Je sais pas si on pourrait. Si j'enlève les deux comme ça. Je garde que la domination que je peux pas désactiver. Et je prends que l'économie pour qu'on voit ce que ça donne. On a les Fremen. Alors j'avais les Fremen la dernière fois. Je vais rester en normal parce que j'ai l'impression que c'est quand même plus difficile. On va essayer de faire comme ça. Ok. Allez, voilà, construis ça. Et si je peux, j'en fais vite fait une troisième. Ici, là. Alors, je vais essayer d'utiliser le minimum possible la pause. Quelque chose qui est nouveau par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, si vous n'avez pas suivi, c'est le marché du chaume. Vous allez voir, on peut acheter donc des actions. Et ça, c'est ce qui m'intéresserait d'obtenir. Donc, c'était beaucoup là-dessus, c'est le fait de gagner beaucoup de sous avec cette faction. Alors là. Hop, je fais une autre infanterie. Parce que voilà, pour moi c'est devenu plus difficile comme au niveau des combats, j'ai l'impression. Et donc je vais être plus prudent de ce côté-là, j'y vais directement avec 3. Donc ils ont une base comme ça. Et une autre particularité qu'ils ont, c'est qu'on peut en construire d'autres. Ça coûte assez cher, mais on peut faire d'autres. Ça peut être assez long, je verrai au niveau du montage, mais on va essayer de faire qu'une seule vidéo pour cette partie-là. Donc je vais essayer de jouer avec minimum de pauses dans le sens où maintenant quand j'ai joué plusieurs fois en multi, dont avec Dan, on n'a pas enregistré jusqu'à présent, mais j'aime bien y retourner quand même. Je suis au niveau de la carte. Apparemment je suis plutôt en haut à gauche. Allez, je mets un deuxième.
On essaie de concentrer l'attaque sur une unité. Alors ça aussi je pense c'est nouveau, le fait de voir la situation diplomatique avec les autres maisons. Ouais, ils ont changé des choses, j'ai pas forcément lu les logs. L'expansion est quand même lente. Parce que l'autorité, on récupère pas ça comme ça quoi. Ok, alors là, la raffinerie. Je vais pas avoir assez pour ça. Puis avant c'était là-haut, ils ont changé ça. Vitesse de recrutement, c'est là. Voilà. Et après, on va aller chercher l'usine de traitement. Alors là, je crois qu'il me met le jeu par contre automatiquement en pause quand je suis là-dedans. Étant en solo. Mais en solo uniquement. Donc lui et lui qui m'intéresse. Donc ici place crate et ici pour ça. Allez, je vais essayer. Plutôt prendre lui. Parce que avec la recherche, je vais pas l'avoir tout de suite lui. Yes, Majesty. Un siège de trouvé. Ok. Là va falloir attendre d'avoir de l'eau. La prochaine étape, plutôt du place crate. Alors, là. Ah, j'affecte. Voilà. Je me mets en mode tout auto. Et j'affecte un ornithoptère dessus pour. Jusqu'à présent, j'ai pas eu d'incident au niveau des vers des sables. Comme ça, au niveau sécurité, c'est plus simple. Vu que je veux pas mettre la pause. It's an honor, Majesty. We'll march there. Voilà, comme ça. Yes, Majesty. Oh, ils vont loin. On va voir si ça passe. Faut que je surveille. J'ai découvert. Ben, j'ai découvert. Oui, j'ai découvert. La touche Alt, donc qui est pas loin, parce que je déplace la caméra avec ZQSD. Et le pouce peut être sur. Peut se positionner sur la touche Alt. Pour accélérer. Donc, on peut peut-être essayer plutôt ça. Alors, ça accélère dans le sens où ça se met automatiquement en 2. Ici, 5. Piège avant. Et je prends. Alors là, c'est place crate. Voilà, l'eau va arriver aussi de ce côté. On accélère. Ah, agent. Autorité. On va donc prendre l'autorité. Il y a la main d'œuvre qui sera intéressante là. Tout mettre en main d'œuvre même. Le temps de recruter ce dont j'ai besoin. Donc là, on va voir. Vitesse de recrutement plus 150%. Et j'avais pris beaucoup de choses sur cette partie économie. Puisque bah, c'est le but, là, c'est d'acheter les actions du chum. On verra en combien de temps j'y arrive. Ça risque d'être assez long, donc il faudra sûrement que je fasse des ellipses. Là, l'eau c'est mieux. Donc là on pourrait choper avec lui un plus de solari. Voilà. Là j'accélère. Voilà. Là, là les gars, on va faire une deuxième. Donc ça c'est une de leurs particularités. On va rajouter un milicien. Donc là c'est plutôt l'eau parce que je suis à 5. 150. Taxe impériale. 480. Ah oui c'est vrai que j'étais. C'était limite là la dernière fois. Je m'étais fait avoir aussi. Alors il va y avoir quelque chose de très intéressant. Alors là c'est encore mieux que l'autre fois. J'avais mis les Fremen. Donc les Fremen ils étaient pas dans la liste. Ils vont me payer des taxes en épices. Donc je vais avoir des bonus d'épices après. Le vote. Toujours ça, toujours. Pas changer, je pourrais me faire un autre ornithoptère. J'ai assez de carburant. On va essayer pour explorer un peu plus vite. Donc là, viser ça, piège avant, un autre agent. Oh, voilà, puis on va accélérer ici. Donc ils ont ce bâtiment aussi, bureau de propagande, mais ça me coûte en autorité. Pour l'instant, je vais pas prendre. Et lui, il me faut 64. Ok. On va y arriver en accélérant comme ça. Ah, recherche. Ah bah. Ouais. Alors, lui, voilà, usine. Ah, c'est le carburant qui peut apporter des sous. Et on va chercher celui-ci. Les unités obtiennent 5% de puissance par faction ayant moins d'actions en chôme. Comme le but, c'est moi qui les achète. Je vais prendre ça. Et ça me permettrait. Il faut que je vise de l'avoir. Alors, par contre, comme j'ai changé les objectifs. Ça peut être compliqué. De toute façon, eux vont en acheter plus.
Bon, je vais aller voir. On va voir ce que ça donne. Propos échanges. Trêve au niveau conflit, il me donne un peu de sous, pourquoi pas. Il me propose une trêve. Hop, je vais prendre la trêve. Tag de guild acquitté. Non, il me dit que ça m'a apporté de l'hégémonie. Est-ce que ça a été le cas? Possible. Alors, ce que je... Ah, il y a deux choses. Il y a le bureau de recrutement. Et après, je fais beaucoup de centres de recherche pour accélérer mes recherches, justement. On va faire ça. Un bureau de recrutement. Oh, il est forcément... Red. Reporting for duty. Alors, on va revenir là-bas. Ah, je l'ai pas vu, lui. Allez, vas-y. Bon, il n'y en a qu'un. Ils sont trois, ça doit le faire. Bon, ça doit le faire. 64. Voilà, bon, je me régénère en réserve, j'en fais le plein. Et je vais chercher le territoire d'à côté. Agent. Bon, je peux recommencer à me mettre sur Arrakis. C'est bon, allez, j'y vais. 3 jours, je vais pouvoir faire l'usine de traitement. Allez, concentrez-vous sur la même unité. Voilà, le marché du chum est ouvert. Donc là, hop. Je me mets devant tout le monde. Alors, ouais, je suis passé un peu vite. Il y a un petit indicateur. Là, donc, il y avait égal avant. Là, maintenant, c'est les flèches vers le haut. Donc, le prix des actions a augmenté. Ça, c'est le fait que plus on en achète, plus les actions montent. Pour l'instant, ils ne sont pas très très chers. Alors, on voit que c'est les maisons mineures qui possèdent la majorité. 83%, et donc le but c'est que nous on achète le reste. Donc on voit que tout de suite par rapport à la partie précédente, bah, eux ils commencent à s'agiter dessus dès le début. Et moi j'ai fait carrément le coup d'en acheter 20 d'un coup, et il y en a 98 de disponibles. Donc là c'est le prix à l'achat, et là le prix à la revente. Donc le but c'est surtout d'en acheter et non de les vendre. Mais on pourrait jouer là-dessus. Quand le prix monte, on pourrait les revendre pour se faire de l'argent. Ouais, ouais, donc là il agit tout de suite. Faut que je renvoie quand même encore ma moissonneuse, mais il y a une recherche, celle-ci, qui permet de renvoyer automatiquement la moissonneuse. Donc celle-ci, ça de la choper. Super. Alors, est-ce que j'ai vu trouver déjà du carburant autour de chez moi? Non, pas spécialement. Ouais, mais, alors, faut faire attention. Je propose de renvoyer dès le début, mais. Examen du conseil. Ah ouais, j'ai ça. Je peux prendre un décret qui me coûte de l'influence pour pouvoir changer la portée. Toutes les factions gagnent ou ça serait une seule. Voilà, je pourrais changer cette notion-là. Donc là, c'est toutes les factions ou une perte de réputation auprès du Lancerad. Seuil d'hégémonie atteint, 2000. Ça, c'est pour moi. Ouais, cool. Premier. Donc ça, on l'a vu. Ok. Ça, on l'a pris. J'ai mon usine de traitement, donc ça c'est le premier truc qu'on fait. C'est pour aller sur la rille. Donc j'exploite le fait de pouvoir mettre deux. Je double un peu la possibilité. Donc prochaine étape, j'ai ici 67. 134. Donc ouais, lui ça serait le moins cher pour pouvoir l'exploiter et lui mettre quelque chose. Je sais pas si je vais le faire là. 3 et la 5. Ah le vent là, c'est bien. Ouais, la gueule, je peux faire le carburant ici. Donc là ça va être bien pour l'eau. Ah ça c'est sympa, les demandes de communication, on dit oh, pff, ça sert à rien, bah ils l'ont largement réduit, il y a le petit blabla, et on ferme. Ça c'est très bien. Je n'ai même pas lu. Mais j'apprécie l'effort qu'ils ont fait là-dessus. Alors, là, voilà. Ah, et là j'ai assez de gens, donc là on est bon, on peut ajouter un équipage. Voilà. J'ai pas fait gaffe. Mais je suis passé. Bon. Vous l'aurez vu. Un agent en plus. Ok, bien. Donc là, on peut recommencer à mettre au chôme. Alors oui, il y a des dividendes. Des actions chôme. Je peux pas vous montrer avec la souris. Mais plus on achète d'actions, et plus on récupère de sous. Ça, c'est cool. Ok, on va pouvoir y aller. We are listening, Majesty. It's an honor, Majesty. On voit que le prix des actions a bien monté. Ça me coûte plus cher maintenant, alors que tout à l'heure c'était à 4 ans. Bon, on va attendre un petit peu.
Alors là, les actions, si j'y allais comme un bourrin, bah, le nombre de dispo diminue, mais au bout d'un moment, ça revient. Ils en rajoutent peu à peu. Hop, c'est à portée de la base, donc ça va m'aider. Voilà. Super. Donc là, ça se compliquait, parce que là, c'était pas très cher, mais après... Ok, donc un peu coton. Oui. Il m'achète du place crate. Attends, on va faire comme ça. Dans ce cas-là, et on va accepter, et on va acheter. Hop! On en profite. Voilà. Donc ici, nous, ce qu'on veut, c'était les pièges avant. On va prendre ça. On va prendre ça, les réserves pour aller plus loin. J'aurai besoin de ça pour aller plus loin. Ah là, c'est là, faut viser. Oula. Effectivement. 178. Ah, c'est moins cher. 142. Red. Ah. Je suis un peu à la bourre. Espérons que ça passe. Okay. On va rester là. Ok, donc ça c'est la taxe. Devrait donner, voilà, tant, voilà, on a les 280 chacun. Deux nouvelles actions Shom, 68 actions en plus sont disponibles. Les prix sont en baisse, c'est le moment d'acheter. Voilà, 8%. Donc ça c'est là où ça va être, la partie va être longue. Voilà, les autres factions vous ont payé leur dû. Et je reçois 437. Vous voyez, donc j'ai déjà, en début de saison, j'ai déjà ce qu'il faut. Ça c'est trop bien. Les actions sont pas chères encore. Ça serait bien que j'ai les sous pour en racheter. Ah, nouvel agent. On va produire plus de chaume. Voilà. Franchement, c'est assez vite au contre-espionnage aussi. Ah, on peut commencer à faire des sondes. Ah! Si je refaisais ça, on va montrer. Toutes les factions gagnent. On va essayer comme ça pour rigoler. Comme ça, il n'y aura pas que moi, et comme je suis pas encore en conflit direct, ça peut m'arranger. Mais je sais bien, mais j'attends que le verre se casse. Auparavant, c'était, il arrivait, il pouvait repartir tout de suite. Là, voilà, faut attendre. Bon, je pense qu'il faut attendre. Allez, je peux acheter. Là, je reste assez bien devant par rapport aux autres. J'essaie de faire la production de carburant. Si je, parce que je sais plus si j'ai pris. Voilà, je l'ai pris celui-ci. Donc là, si j'ai beaucoup de carburant de réserve, j'augmente mes sous. Voilà, nouveau conseil. Ça a été accepté tout ça. Bah, c'est passé. C'est chaud. Hein. Vous voyez, là pour m'étendre maintenant. Alors, un truc qui marche, mais plus tard, c'est de libérer des villages. Quand on est en conflit avec d'autres, ça me fait gagner un peu d'autorité. Mais c'est quoi, c'était 20 points de mémoire. Alors, je peux peut-être commencer à vendre un peu plus. Vu que j'ai de la réserve, on va se mettre au milieu. Allez, je prends ça. Hop, 1000. Je peux en racheter. Super. On passe à 12%. Je prends pas d'autres. Temps d'attente. Entre les transactions. Allez, combien? Combien? Combien de temps? Je sais pas. Bim. Allez. 14%. J'aime bien ce truc là, j'aime bien essayer de gagner là-dessus, donc je vais en profiter pour le faire ça avec vous. Allez, je vais récupérer des sous là. Ouais, un petit peu, ouais, pas tant que ça. Mais... Alors là, c'est passé en rouge. Ouais, ça a bien monté. Ok, donc là, je pourrais en racheter. J'en profite pour l'instant, c'est pas cher. Putain, ça monte tellement. J'ai envie de produire plein de carburant du coup. J'ai pas vu de zone à carburant. Ah, là-haut. Ah, je peux dépenser un peu d'épices. Oui, voilà. L'autre fois, j'avais trouvé assez vite tous les sièges. 178, bon, je suis à 100, 120. Quand ça sera passé, je pense que j'en prendrai une autre unité. On prendra les nouvelles, les incinérateurs. Ah, j'aurai ça, vous voyez, déploiement de base principale. 3000 pour son influence. Besoin de 5000 d'hégémonie aussi. Donc j'ai pas encore accès.
C'est un moyen de me mettre un peu plus loin. Ah voilà, on peut commencer à développer cette partie-là. Donc le but c'est plutôt cette partie-là. Voilà, ça ce sera très bien. Et là c'est quoi? Ah, production d'autorité. Voilà, donc ça je pense que je vais le faire. J'ai besoin pour pouvoir m'étendre. Et là on va viser. Ouh, ça pique. Ah, ben j'ai rien eu. bon, l'influence pour l'instant c'est pourri moi. Donc ça, on les a. Ok. Ah, recherche. On va commencer là-bas. Pour les sous. Voilà, ça c'est augmente la recherche. Ça, je pense que ça sera bien. Donc ici, il vaut mieux que je me le réserve pour une défense au cas où. Donc je pourrais recruter un incinérateur. On va attendre un petit peu d'être plus monté, tant que j'ai pas besoin d'attaquer. Ah, le shop. Non, ce sera cette influence. Ouais, bon, je reste là-dessus. Produire un maximum de sous. On y est presque, hein. 162, 178. Ah, ça y est, ça commence à être bien là. Allez, on va y aller avec tout le monde. Et on disait que je faisais un incinérateur. J'espère avoir assez de ressources pour aller jusque là-bas. Donc j'envoie d'abord cela. Il faut surveiller qu'ils fassent pas une connerie en allant n'importe où. J'espère qu'ils vont passer. Ok, je suis arrivé. Bah, c'était un peu limite, mais je suis arrivé. Ah, taxe acquittée et 22 actions au champ qui sont arrivées. Bon, je laisse faire, il se concentre pas sur une unité, mais plus tout le monde qui a. Je vais attendre qu'il refasse le point. Allez, vous retournez là-bas. Voilà, hop, ils m'ont déjà payé. Nouveau conseil, redétecté. Ah, c'est pas cool. Bon, ils sont en train de revenir. Ce d'hégémonie atteint 5000. Ah, je peux construire une autre base maintenant. Village contrôlé. Ici, ça va être en raffinerie. On fait des unités de défense. On peut faire ça, va plus vite. Moi j'aime bien faire ça, parce qu'il le laisse pas après, mais on voit moins quand on veut déplacer. On va pouvoir le voir en action. Et là, ouh, ça chauffe. Donc là, je pourrais l'attaquer. Donc, ce que je vais pouvoir faire, la rigueur, c'est le libérer. Voilà, pour vous montrer. Ici. Donc, on voulait. Il y a ça. Les moissonneuses. Ah, plus vite. Plus de sous. Mes connaissances, peut-être d'abord. Ça d'abord. Ouais, j'ai déjà ce qu'il faut. Je peux même peut-être baisser encore un peu pour vendre. Ah, il demandait vraiment à côté. Avant, il ne demandait pas d'être à côté. Oui, plus un autorité. Voilà. Ouh, ça va peut-être le coup là. Résultat. Ils ont un trade dans les 282. Ouais, ouais. Ils ont mis moins que moi, mais ils ont eu plus d'aide des maisons mineures. Ah, c'est ça qui a fait la différence. Un truc que j'ai pas fait, c'est le ravitaillement. Ah, oh, mais regardez. Ah, bah, faut que je rentre. C'est pas moi, faut attaquer, c'est lui. Nouvel agent, on va faire contre-espionnage. Oh, bon, je reviendrai après. Ils ont raté. Qu'est-ce qui m'apporte des sous? Ça m'apporte des sous. Oh, je vais faire quelque chose qui m'apporte des sous. Trois emplacements de contre-espionnage. Il y a ça pour les sous. Réserve quotidienne moins 20%. Ça peut être bien pour pouvoir la traverser. Milicien plus 1. Ah, ça, il y a plus de points d'autorité.
J'ai mal fait mon truc tout à l'heure. J'aurais dû attendre un tout petit peu. Parce que là, maintenant, il y a les trois défenseurs. Allez, je retente. On va attendre la fin de cette recherche. Je suis en train de tilter. Ça va me permettre de dépenser réserve moins 25%. J'en garderai plus. Déploiement possible de la base impériale. Ah bah voilà. Et là, éventuellement là. Alors, je vous montre un peu comment ça se passe. Voilà, je pourrais faire comme ça. Je perds la notion de... Je peux pas construire de bâtiment pour récupérer des ressources, par contre. Mais je pourrais faire comme ça. Ça peut être intéressant, je peux me le garder pour avoir un point de démarrage avec eux. Lui, terminé. Il y a une tempête. On va rester là le temps que ça passe. Ah, ça peut être bien, ça. Allez, on va choper ça. Soutien du chaume. Ouh. Trêve à fin. Construction achevée, ok. Construction possible, déploiement de base possible. Taxe. 47 actions nouvelles. Vote. Ça ne faut surtout pas. Les zones payées, voilà. J'ai déjà mon épice. Raid détecté. Allez, va-t'en. Ah, tu m'attaques ici. Ah bah, c'était pas forcément le meilleur endroit pour attaquer. On va laisser faire. Ok, on revient là. Oh! Caisse de provisions. Ça, c'est sympa. Envoyer une unité militaire pour des sous. Ah, bah, on va récupérer des sous. Oui, on va récupérer des sous. Et donc là, on peut faire quoi? Donc, ça pour la main-d'œuvre. Alors, je pense que ça peut être intéressant pour la main-d'œuvre. Mais d'abord, je vais faire ça. Recrutement des agents. Ah, siège détecté. 4 d'épices. Ok, super. Remporter une résolution positive. Ah, ça, il y a peu de chance. Par contre, 3 nouveaux bâtiments politiques. Ah, mince. Alors, ce que je peux faire pour tricher. Je l'ai refait. Voilà, je les aurai. Ça réduit ma recherche pour l'instant, mais temporairement. On va prendre ça. Voilà. En profiter de ce bonus. Ah! Ça s'appuie ici. J'aime pas ça là. Et c'est en un. C'est moi qui voulais attaquer de l'autre côté. Alors par contre, je peux peut-être en profiter, justement. Par contre, là, pour pas avoir de surprise. Alors ça. Par contre, je suis très loin. Donc là, ça vaudra le coup de libérer ça et de construire la base dessus. Et là, maintenant, j'ai ça. Génie politique. Production d'influence. Ok. Donc là, on peut le mettre là-bas. Ou je le fais au contraire ici. Pour mes sous. Alors, on se concentre sur eux. On va faire ravitaillement. Je relance un autre. Lui d'abord, au fond là. Ah, puis je vais pouvoir le prendre même, carrément. C'est même pas le libérer. Annexion. Agent non affecté. Hop. Super. Presque envie de faire ça. Pour être sûr de me protéger. On va réduire un petit peu l'expansion, si possible, de ces contrebandiers. Alors, j'aurai besoin de ça. Recrutement. Oh, je peux rajouter. Super. Vas-y, retourne bosser. Voilà, là, l'épice, ça va couler à flot. Siège contesté. Faire un ravitaillement quand même. Déploiement de base possible, ouais. Ah, peut-être intéressant là du coup. Si ça passe. Parce que j'ai déjà pas pu réussir. Ah!
Allez. L'avantage, ça fait une zone aussi d'atterrissage, vous voyez. Donc là, et puis ça fait missile. Voilà, donc là, par exemple, je pourrais faire la partie militaire si je veux. Donc voilà, on a une deuxième base et on peut avoir des nouveaux emplacements. Donc très, très pratique. C'est une autre façon de se développer. Siège détecté. Voilà, super. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a? Raffinerie, renseignement, tourelle, usine de place crate. Donc là on va voir pour aller libérer cette partie là. Et un bureau de recrutement. On va libérer, vous voyez, plus 20. Ah, 196. Ah, du coup, c'est... Ah, et puis ça coûte beaucoup moins cher, du coup, maintenant que j'ai ma base à côté. 82. Ah, mais j'aurais pu le prendre. Annulé. Et oui, j'ai une base à côté, maintenant. Ça réduit le coût. C'est l'astuce. Construction achevée. Ok. Les autres ont payé 1462. Voilà. Je suis encore bon. C'est trop bien, ça. Ah, ils ont augmenté le coût. Bon, bah, pas que j'achète, là. C'était le risque, effectivement. Qui m'envoie ça sur la tête. Je vais pas avoir besoin de les détruire, parce que justement, il me donne de l'épice. Allez, production d'influence. Et je pourrais aller... Est-ce que je peux aller là-bas? Flamers reporting. Operation Scorched. We'll march there. Bon, là on va les vraiment libérer. Plus en autorité. Ok, super. Faut, oui, mais ça. Ils stabilisent quoi. Mais c'est tout. Ouais, j'achète. Et là, regardez. Vous avez déjà détecté tous les sièges. Ça, j'avais déjà vu la dernière fois. Ouais, on rentre à la maison. Je pourrais le prendre. Je pourrais le prendre, mais ça n'importe rien ici. Par contre, tenir ce territoire-là pourrait être intéressant. Ouais, mais j'allais prendre lui. C'est lui, il faut que j'allais prendre. Ok. Et je peux le faire. Je peux les déplacer directement comme ça. Voilà. Il faut une base aérienne à côté aussi. Allez, je reprends. Allez, l'idée, ça serait d'arriver là-bas. Ouais, on va attendre que le copain arrive. Allez, il y a des sous. On achète. 21%. Pff, on n'a pas fait la moitié. Faut dépasser les 50%. On va voir si ça pourrait suffire là. Juste ça. Ok, allez, on y va. Ok, taxe. J'ai payé la taxe. J'ai encore assez en réserve. 84 actions dispo. Vous avez atteint 10 000 d'hégémonie. Ce qui me donne accès à de nouveaux bonus. Voilà, donc là, mes bonus, le dernier, c'est la base principale obtient longue portée, portée de la base aérienne, portée de missiles augmentée, réputation pour du lanceur de plus 30. Quand d'autres factions remportent des chartes. Ah, c'est sympa. Et plus ils remportent de chartes, plus j'en récupère. Donc là, je suis en train de récupérer ça. Et après, du coup, les moissonneuses pourront repartir automatiquement. Ça, ça sera cool. Et les autres m'ont payé 1800. Bon, c'est trop bien. J'ai pas besoin de récolter. Bon, j'en garde un tout petit peu en réserve, par principe. Ça, c'est pas mal. Hein. Les prix remontent, mais j'ai assez. Hop, je prends. Ok, très bien. Allez, hop. Il faut se garder une place obligatoirement pour une tourelle missile. Je ne sais pas précisément qu'est-ce qui détermine que je peux mettre une base ou pas. Peut-être parce que j'ai déjà posé une et j'ai pas besoin d'une deuxième. Ah bah, ils l'ont pris. Ils l'ont pris à côté. Ah, mais ça t'est là-bas. Yes, Majesty. Je suis en train avec les Harkonnen. Ça fait un peu plus comme dans le film, ça. On va faire la tourelle. Oui, il y a du monde. Ah! Bien joué.
Il a mis un cessez-le-feu qui m'empêche d'attaquer. J'ai pas ça moi. J'ai pas le cessez-le-feu. j'ai des actions. 23%. J'avais à la moitié. Ouh. We serve the Imperium. Yes, Majesty. Ouais, ça, ici, il faudrait que je le prenne pour faire la base. Oh, ça a l'air de passer. Trop fort. Oh, ils ont réussi. Trop bien, ils se sont défendus. Et il s'en va, tout seul. Yes! C'est bon, ça se gère tout seul maintenant. Je ne touche plus aux moissonneuses. Donc là, les deux tourelles, je pourrais... C'est vrai que j'aurais... La troisième tourelle ici aurait pu être utile. Pour vraiment s'occuper du militaire. J'avais un truc dans le coin. Voilà, c'est ça. Yes, Majesty. Oh. Base militaire. We serve the Imperium. We'll make it go away. Yes, Majesty. Alors, à moins que je pousse, parce que j'ai assez maintenant pour prendre. Je peux racheter. Allez, j'ai la moitié, je passe à 25%. J'hésite, quel territoire prendre? Je sais pas si c'est lui, ça serait pas plus intéressant. Donc les autres fractions ont payé 1900, voilà, super. Cette position serait plus facile à défendre, effectivement, si je prends les territoires d'à côté et je mets des lance-missiles qui attaquent là. Je pense que je vais la jouer comme ça. Et la centre de recherche, donc je vais prendre ça d'abord, ok. Donc là, 2, j'ai pas besoin de tout le monde. Je vais faire. Hop. We won't fail. We serve the Imperium. T'as pas demandé d'y aller, toi? il s'énerve contre moi. Ah, attends, il y a peut-être quelque chose de nouveau. Oui! Allez, hop! Super. Donc là, c'est le centre de recherche qui est beaucoup plus fort. Est-ce que je veux essayer une défense? Maintenant, c'est lui. 228. Ok, on va attendre. Allez, hop. Attaquer. Essayer de libérer le village. Si j'ai fait une base, donc les régions, hein, j'ai plus de 20%. We serve the Imperium. Et oui. We'll overwhelm them. Coordinating the attack. Allez, ravitaillement. J'en fais un autre. Opération détectée, ça je me doute. Yes, Majesty. Oui, le sniper. Résultat. Rejeté. Oh, on était plusieurs contre lui. Désolé. Bon, ça a rejeté aussi. Pas d'action. Ok, c'est cool. Donc c'est plutôt les Atreides qu'on va réduire un peu au silence. Oh, ils sont casse-pieds. Bon, je reviendrai dès que possible. Oh, prix en baisse. Je rachète 31. Ah. Un petit raid. Construction achevée. Yes. Voilà. Oh, 1K. Énorme. Énorme l'argent qui rentre maintenant. Trop bien. Et là, maintenant, j'ai bonus obus en plus de 10% en Solari. Un truc de malade. Base aérienne, je voulais le faire à côté, mais voilà, faire tout de suite pour répondre aux éventuels besoins rapides d'aller voir ailleurs.
certainement. Flamers reporting. We are listening, Majesty. Ah! Un aspirateur à moi. Yes, Majesty. Merde! Oh là, mais c'est quoi cette histoire là? Let's get to business. Trêve. Ouais, ça me va très bien la trêve. Hop. Darkwood ne sont pas d'accord. Oh là là, mais c'est pas possible. Je me fais massacrer ici. Oh non, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Hein. Ça sert à rien. Ah ouais, non, mais je me suis fait massacrer quoi. Ah, j'ai perdu toutes mes unités quoi. C'est les deux toiles de défense qui font ça. Ils se préparent à attaquer là, j'ai l'impression. Donc ça, je pense que ça veut dire que... Fasse une tourelle. Taxe acquittée. 29 actions du chum. Ok. Il attaque où ? Ah, ça c'est ok, compris. Quand c'est rouge comme ça, c'est les contrebandiers. Ah, je m'attendais pas à ce qu'ils attaquent là, quoi. Ah putain, c'est les Arcones qui m'attaquent là. Ok, bon, une fois que j'ai fini là. Allez, allez, bougez-vous. Ok, bon, toi t'es hyper mal placé. Je vais finalement faire une tour là. Ouh, eh ben. Je vais prendre ce territoire là. Et je l'ai pas vu passer ça. Je l'ai pas vu passer, j'ai rien pu faire. Tellement occupé. Action du chum, 4000, ouais. Continuer. Ah. Point de vie des unités militaires. Je pense qu'on va faire ça. On va partir là-dessus. Voilà. Donc, que tout le monde va s'entraîner. Ah, les prix baissent. 35%. Voilà, je laisse faire comme ça. Non, non, il faut rester là, les gars, pour prendre. Pas forcément tous, remarque. Maintenant que l'autre est là, ça suffit. Oh, ils sont attaqués. T'es enchaîné, moi. On va péter. Oh putain, mais... Meurs trop vite. Allez, même si j'en perds, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Si, c'est grave. Deux. Oh,
Ah, il a fait loin quand même du coup. Il m'agace. Agent ennemi capturé. Ah, voilà, cessez le feu. Et j'en ai deux. Greetings. C'est pas cher payé quoi. Il a accepté. Ok. Qui est moins de sous. En réserve. Je sais pas si c'est une bonne tactique. Ok, on se soigne, on y retourne. Allez, on rajette. 38. 50. Agent ennemi capturé. J'en ai combien chez lui? 3. What do you want? Oh bah que tu me laisses tranquille. Reporting for duty. On y retourne. We obey. Ah ah, on va voir ailleurs. We are listening, Il va falloir retourner en bas. Sont détectés. We're listening. Coordinating the attack. We are listening, Majesty. Ouh, ça c'est ballot ça. J'espère que t'en as perdu. Ah. Ouais, si je vais faire des unités d'élite. Après. Yes, Majesty. Bureau de recrutement, parce que ça commence à être la merde. Ah, quelques-uns en moins. Voilà, je récupère la taxe. C'est bon. Ok, ils sont rentrés chez eux. Oh putain, mais c'est pas au bon moment, je m'en suis pas occupé. Ok, ils ont récupéré ça. De toute façon, je pouvais. Moi aussi, j'aurais pu faire contre. Ah! Oh là là, ça y est, j'en ai perdu un. Bah, vous pouvez pas défendre aussi. Ouais, en fait, faut que je retourne choper ceux du bas. Hein. Mais attaquez-vous! C'est fou ça, ils attaquent pas quoi. Ils sont là comme des glandus. Mais attaque! Lui! Ok. Je leur ai fait perdre le village. Faire le point au niveau des unités, parce que c'est un peu la merde. Après, je veux pas forcément les éliminer, c'est ça le truc. Allez, les unités arrivent. Yes, Majesty. We'll make it go away. C'est ça. Je pousse. On achète. Je suis à 41%. On y est, presque. On voit que les combats sont quand même plus difficiles qu'avant. Là, je suis qu'en normal en plus. Toi, t'es alors trêve. Ah, ça peut être intéressant. C'est la première fois que je perds aussi souvent mes unités. Mais bon, j'ai tout intérêt, effectivement, à ne pas pousser plus loin. Ok. Pour pouvoir finir mon objectif. Hein. Donc ça, c'est les infanteries. Et à rigueur, je vais plutôt aller embêter les bleus. Attends, je peux faire Sardaukar. Ouh, ça change tout. Attendez, les gars.
Ouais, bah... Sardaukar. Vote, maison Corino, président du conseil. Tiens. Jusqu'à 600. Allez, on va attendre nos Sardaukar. On est pas mal quand même comme ça, là. J'ai un petit peu où je veux. Y'a que là. Ah, ça serait intéressant si je prenais lui. Ah, ils ont réussi quand même. 605, 630. Ah là là. Je peux toujours pas acheter. Je prends tout ce que je peux, allez. C'est quoi? Je vais aller là-bas. Parce que surtout, j'ai pas de point stratégique pour le bas. Alors, la taxe, elle est faite. 84. Ah, voilà, on peut acheter des actions. 72, voilà. Donc, je passe à 41. Et les autres, ils ont payé. Nickel. Et j'achète 42%. Ah, oh, ils ont plus que 3%. Non. Maison mineure en 43%. Et moi, j'ai 42. Ah, bientôt, j'en ai plus. Bon, enfin, j'attends que ça remonte. Hop, j'achète 43%. Égalité. Je vais posséder le chaume. Sous sa fight, là. Ok. Ouf, il y a les trois. Ouais. Ça commence à ralentir. Ah, on peut démanteler le marché. Intéressant. Oh, moins 50%. Ah ouais. Pas le faire souvent, ça. Allez, je prends position. Alors, du place crate. Alors d'abord, une base aérienne et du place crate. Voilà. Allez, je tiens le bambou. Trêve, ouais, vas-y. Voilà. Là. Oh. Base aérienne, très bien. Ah oui, il y a un train. Est-ce que j'ai le temps d'y aller? Hop, et là, juste libéré. C'est l'attaque perfide. J'ai voulu dans l'ombre, c'est vrai, mais entre résistance et conspiration, il y a un monde. Combien? 11 jours. Ah, oh, c'est long, c'est là. 31. Oh là 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 là. En libérant, je me demande si à un moment donné je pourrais reconstruire une base dans le coin. 43 actions, ouais! Ouh, ça va faire cher. 47. Greetings. Allez, 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 donne-moi des sous. tu m'aides à gagner. On va aller fatiguer. Ouais, va falloir y aller, les gars. Dépêchez-vous.
Dégâts infligés par la faction traîtresse. Plus 10%. Aïe 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 aïe. Allez, on y est presque. Se regrouper. Je sais pas comment on fait pour réparer. Je suppose que la réparation se fait toute seule. Dégâts absorbés, unités. Alors, je peux avoir des agents maintenant, à nouveau. Donc ça va recruter. On va pouvoir en remettre un là pour l'autorité. Et peut-être. Oh, peut-être là-bas aussi. Ah, prix en baisse. Je peux en prendre 20. 49%. Allez, on y est presque. Résultat. Ah, encore maison à trade. Surprenant, tiens. Faut que je traîne, moi. C'est con, je suis plus à 1000. Et là, bah, on va prendre un. Hé hé, oui. Alors, moins facile à tenir, mais bon. Putain. Ah, je peux acheter. Yes! Ça m'a juste permis de passer au-dessus. Vous êtes l'actionnaire majoritaire du CHOM et contrôlez désormais l'institution la plus puissante de l'univers connu. Moi, je peux pas y aller. Voilà. Victoire. Victoire sur le nouvel axe. Qui était offert d'acheter les actions. J'avais quand même de bonnes stats. Si je fais continuer à jouer pour pouvoir voir ici, voilà, donc j'ai 51%. Voilà, parce que je suis passé à 51% de position des actions du CHOM. Et puis les autres, du coup, ils n'avaient vraiment pas beaucoup. Voilà, c'est super ça. Bon, voilà, victoire. Hein, hop. Bah écoutez, les amis, merci de m'avoir suivi sur cet épisode. Au niveau du montage, je ferai au mieux, parce que là ça a été long, je m'en doutais que ça allait être long, de toute façon c'est plus long qu'un Northgarn, donc je vais voir comment je peux faire pour raccourcir ça, mais voilà, ça permet de découvrir la maison Corino, et en même temps ce nouvel axe de victoire possible avec le marché du CHOM. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve prochainement sur d'autres vidéos, pour Dune on verra plus tard, selon les nouveautés. Allez, je vous remercie, ciao, bye bye, et portez-vous bien !